jalousie, colère. Ésaü, Jacob. Ésaü était qui? Non. Ésaü connaît le droit de l'Est, hein? Même le héritage, ça ne s'est pas arrêté. Hein? Mais malgré cela, dans la Bible, souvent, celui qui naturellement a le droit, Dieu, dans sa conduite de l'histoire, suivant. Et ce n'est pas lui qui prend. Ce n'est pas lui qui prend. Même dans nos familles, quelquefois, il y a le Saint-Père, l'aîné, comme il ne fonctionne pas bien, il met, aujourd'hui même, il met par testament, c'est tel fils, il n'est pas l'aîné, mais il est mieux pour gérer les affaires. Et le peu que j'ai laissé là, c'est à lui de. C'est-à-dire, n'allons pas croire que parce qu'on est aîné, on est nécessairement meilleur. Et qu'on est nécessairement plus intelligent ou plus sage. Non. Et c'est même le problème de l'Africain. On croit que parce qu'on est aîné, c'est vrai, on a eu certaines expériences. Mais l'expérience seule ne fait pas la sagesse. On peut être. Moi, j'ai souffert de ça. On a commencé notre suicide. J'étais parmi les plus jeunes dans le stade. Mais j'étais quand même beaucoup plus brillant que beaucoup. Et on ne voulait pas hésiter. On ne voulait pas hésiter. Et puis on dit non, bon, oui, parce que c'est un vieux père qui parle, tout le monde doit se taire. Bon, ça devient de la bêtise, hein. Bon, je ne dis pas que dans notre tradition, tout se fait mauvais, mais nous devons rester vigilants et critiques. L'esprit s'ouvre où il veut, quand il veut, et par où, comme il veut. Il peut parler à la petite enfant. Donc soyons vigilants pour l'écouter. Et en entreprise, il faut avoir cette disposition généralement. Quand on est, même moi-même, je l'ai dit, je n'ai plus beaucoup d'idées nouvelles. On rabâche les deux trucs qu'on a écrits là, on répète, on a compris un peu, c'est tout. Hein. Il faut avoir une idée. C'est quoi, j'ai arrêté d'enseigner. Il faut que les jeunes prennent la relève. C'est pas facile, il faut accepter de s'éclipser, il faut accepter de partir. C'est une sorte de mort, hein. De partir et de se réjouir même que les jeunes fassent mieux que moi. J'ai toujours souhaité ça à mes étudiants. Je dis, tout ce que je n'ai pas pu faire, je souhaite que vous le fassiez. Ça sera ma fierté. Je dis, j'ai formé ces gens-là et ils le dépassent. Bénis à Dieu. Je pense que ça mérite des applaudissements. Chers frères et sœurs, je voudrais en votre nom à tous dire un grand merci au Père Otambawa qui a accepté de nous accorder son temps, de venir partager un peu avec nous sa connaissance et son espérance d'une Afrique nouvelle. Je voudrais lui dire merci parce que mardi, il quitte la Côte d'Ivoire pour aller au Cameroun. Toi, c'est pas définitif. Bon, d'accord. Donc on le prête momentanément à la communauté des jésuites au Cameroun. Mais vous voyez que, alors qu'il a beaucoup de choses à faire pour organiser son départ, il a quand même accepté de venir deux soirées de suite. Partager son temps, sa foi avec nous. Et je voudrais qu'on lui dise merci de bien. Je rappelle que le temps étant limité, il n'a pas pu aborder tous les aspects des sujets qui étaient prévus au programme. Vous pouvez poursuivre la découverte de ses travaux, vos réflexions, avec ses ouvrages qui sont disponibles à la sortie. Je disais hier à un membre de la communauté des Jésuites que les Jésuites ont envoyé tous les livres écrits par les membres de leur communauté africaine. C'est posé dehors, donc vous pourrez faire votre sélection et il pourra même vous les dédicacer tout à l'heure à la fin de la messe. Avant la messe, comme on l'a fait hier, on va inviter une femme. Que ce que Dieu veut, donc on va la mettre devant pour que vous puissiez apporter votre passion.